précisément la carte de Washington. Balobi maman marde né. Maman marde né. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. Il y a un Congolais, on a dit que les Congolais ont Mesdames et messieurs, c'est parti pour 45 minutes de face à face. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'actualité pour boucler finalement la semaine. Les motocyclistes, communément appelés Wewa, se sont érigés en véritables défenseurs de droit et véritables défenseurs de l'indépendance de la magistrature. Ils étaient dans la rue, ils sont dans la rue et ils promettent de rester dans la rue. De l'autre côté, des soupçons de l'arrestation ou de l'interpellation d'un bourgmestre qui serait en train de distribuer l'argent et des armes blanches, eh bien, tout ça, c'est ce qui va finalement faire partie de notre communication, de notre émission de ce jour. Alors, vous suivez ça les soirs certainement. Je reçois Jean-Michel Kalonji qui est avec moi. Il est analyste politique. On va essayer un peu de développer sur la question. Jean-Michel, comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Et le week-end à vous. Merci, pareillement. Alors, l'actualité, c'est vrai que vous avez eu du mal à passer sur Triomphal. Les gens ont eu du mal à passer, par exemple, sur Kabamba. Parce que des Congolais ont dit qu'il y a une loi ou il y aurait des lois proposées par l'Assemblée nationale. Monsieur Minaku, ancien président de l'Assemblée, et Gary Sakata, professeur de droit, de loi qui, dans l'entendement des Congolais, porterait atteinte même à l'indépendance de la justice. Est-ce que vous avez vu ça de cet œil, ou vous pensez que, bon, ils sont parlementaires, ils ont le droit de proposer des lois? Ils sont parlementaires. Ils ont le devoir de légiférer. C'est pour cela qu'ils ont reçu le mandat du peuple. Ça, c'est un fait indéniable. Mais il faudrait circonscrire chaque fait et geste par rapport à la situation politique de l'heure. Nous sommes pour la première fois dans une cohabitation. Une coalition, vous voulez dire? Une coalition, cohabitation. Nous sommes pour la première fois dans l'alternance politique. Monsieur Minaku fait partie de la famille dirigeante FCC Cash. Je crois que quand il faut présenter une loi, il devait d'abord se référer à cette famille politique. Mais aussi, la loi elle-même, elle traite de quelle matière? Nous venons aujourd'hui de vivre pour la première fois un procès qui vient de mettre le jalon de l'état de droit. Le directeur de cabinet du président de la République, l'allié du président de la République, a été jugé, condamné pour 20 ans. Mais c'est quand même sévère. Il ne nous appartient pas à interpréter les décisions de justice. Les juges ont prononcé. Si M. Vital Kamerhe ne se sent lésé par ce jugement, il a toutes les voies de recours. C'est la loi
nous restons dans le respect de la loi. Alors, avec cette communication forte de l'instauration de l'état de droit, nous avons vu comment est-ce que les juges n'ont pas reçu des injonctions pour la première fois. Personne n'a pu être à mesure de dire arrêtez ce procès. Monsieur Kamere est au pouvoir. Il pouvait utiliser toutes les influences. Cela n'a pas été possible. Alors aujourd'hui, on nous présente des projets de loi qui vont mettre les magistrats sous la tutelle de l'exécutif. Ça gêne. Et nous nous posons des questions. Pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce qui gêne le Congolais? Est-ce le fait que ce soit maintenant ou le fait que ce soit proposé par le FCC? Allez-y. Tout gêne dans cette procédure. Nous nous posons la question du temps. Parce qu'on nous dit que c'est dans la procédure normale. Ils étaient en train de légiférer, c'est normal, il y a eu plusieurs réformes du système judiciaire. Mais ils étaient au pouvoir pendant 18 ans. Ils avaient monopole dans l'Assemblée nationale. Ils pouvaient faire passer toutes les lois parce que nous avons vu, ils nous ont fait, ils ont pondu de lois pendant tous ces temps. Pourquoi pas en ce moment? Mais c'est maintenant qu'ils voient le danger pour eux. Mais quel danger? Parce qu'on n'a aucune preuve qu'ils sont, ils ont criminel économique ou ils ont eu des détournements. Ça, tout le monde le dit, mais est-ce que vous avez des éléments? À chaque fois, le Congolais pose des questions. Nous avons posé des questions au président de la République. Pourquoi les sauts de moutons n'avançaient pas? Pourquoi les maisons n'étaient pas livrées? Nous avons eu des réponses dans le procès. Et les procès continuent. Alors le Congolais revient pour dire, bien que le président de la République nous a dit, il ne va pas finir. Mais c'est l'argent du contribuable congolais. Le projet Bukangalonzo, qui a été vanté à travers le monde. Le premier ministre Matata, en son temps, a été reçu sur des grands plateaux pour présenter ce projet et dire qu'on nous résoudrait le problème de la famille. Le projet, on parle de montant jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi il y a peu le ministre de l'Agriculture sur une chaîne locale. Il ne peut même pas vous dire combien a été dépensé dans ce projet. On spécule. 300 millions, 400 millions, 350. J'ai entendu les gens parler de 470 millions. Donc jusqu'à présent, on spécule. Donc on doit quand même se poser la question, parce que c'est l'argent du Congolais. Aujourd'hui, on nous parle... Mais pour ça, Matata Mponi a fait une conférence où il a expliqué la provenance de l'argent, la canalisation de l'argent. Il a dit qu'il a une conscience tranquille. S'il vous plaît, c'était un contrat de résultats. Il a pris de l'argent pour nous produire à manger, produire et pérenniser le projet. Nous n'avons jamais vu la production de Bukangalonzo. Le projet s'est arrêté. Il n'y a pas eu une projection. Est-ce qu'on a rentabilisé? Parce que quand on sort 400 millions, nous devons les rentabiliser. Ce n'est pas une perte sec. Et vous pensez que c'est tout ça qui... Il y a ce projet. Oui. On nous parle de l'aéroport. Qu'il y aurait eu un crédit, l'argent des GoPass. Jusqu'à ce jour, nous ne voyons rien. Il faut donc des enquêtes sérieuses pour ça. Il faut des enquêtes sérieuses. Et c'est vrai qu'il fait peur? Ça fait peur. Je pense. Il y a plusieurs autres choses. Est-ce que Fachi cher ami, aujourd'hui, je pense que les autres commencent à tailler des lois sur mesure pour se protéger d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que le problème n'est pas au niveau des négociations de postes ministériels? Parce que si le FCC
avait perdu le ministère de la Justice et que le ministère de la Justice avait été récupéré par Cash, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Non, ne personnalisons pas le débat que qui gère le ministère de la Justice. Parce que la loi doit être impersonnelle, impérative. Aujourd'hui, que ce soit un ministre FCC, que ce soit un ministre Cash, que ce soit un ministre Lamouka, la loi doit être appliquée. Mais nous, nous ne voudrions pas avoir un ministre de la Justice tout puissant qui peut faire arrêter des procédures, qui peut donner des injonctions, qui peut suspendre le magistrat, qui peut le révoquer, qui peut nommer. On se pose, où est l'indépendance de la justice? Est-ce que vous avez peur que votre président soit mis dans l'accusation, poursuivi en justice avec cette nouvelle réforme? Je veux vous dire une chose. Ça, c'est un faux débat. Il faudrait lire la Constitution. Le président est protégé par la Constitution. On n'attaque pas le président n'importe comment. Ce qui signifie que le privilège de juridiction et tout, le président ne peut pas être poursuivi de n'importe quelle manière. Alors, pour nous, la loi doit d'abord protéger le petit peuple. Il est connu ici en RDC que tu ne peux pas aller en justice contre un Libanais. Tu ne vas jamais gagner le procès. Qui que tu sois. Tu ne peux pas aller en justice contre un général, contre une autorité. Mais aller dans les cours des tribunaux. On arrache les parcelles comme des petits pains aux pauvres Congolais. Et ça, ça se passe tous les jours. Hein. Ça se passe tous les jours. Ouais. Alors, aujourd'hui, que le Congolais peut se dire que si je suis en procès contre un Libanais, je peux gagner. La loi peut être dite et respectée. On veut maintenant museler cette justice. Parce que le jour où les intérêts du ministre de la Justice ou de sa famille politique sont touchés, on va donner des injonctions. Est-ce que c'est ce qui justifie la colère du peuple? Voilà. Le peuple qui s'est approprié la lutte pour l'instauration de l'état de droit voit que c'est le projet de loi risque encore de lui arracher son combat. Mais ils ont raison. Mais pourquoi casser? Pourquoi brûler? Pourquoi prendre le palais du peuple d'assaut? Je veux vous dire une chose. Il est vrai que la violence légale n'est de l'apanage que de l'État. Mais ce peuple meurtri, ce peuple à qui on a tout arraché, même le droit de réfléchir. Parce que quand le peuple dit non, on dit qu'ils sont instrumentalisés. Donc le Congolais aujourd'hui, il lui est même interdit de réfléchir, de donner son opinion. Quand ils voient que sur le plan de la forme et légale, les autres peuvent faire le forcing, le peuple va dans la rue. Alors, vous voulez dire que la délinquance parlementaire engendre la violence populaire? Je ne suis pas d'avis qu'il faudrait casser. Mais quand un peuple se trouve dos au mur... Il agit, en fait. Il agit. Oui. Et l'instinct animal de l'homme prend facilement les déçus. Alors, pourquoi aujourd'hui on reproche les réactions, mais on oublie les actions? Parce que si n'eût été ces lois, on n'aurait pas tous ces désordres qu'on a aujourd'hui. C'est ce que je vous dis. La procédure est biaisée. Pour mieux comprendre les choses, il faudrait circonscrire les faits. Nous sommes gérés aujourd'hui par une coalition, FCC Cash. L'honorable Aubin Minaku est membre de la coordination FCC Cash. Après la sortie du gouvernement, il y a eu une mise en place
d'une structure de suivi de cet accord. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas discuté de cela au sein de cette coalition? Non, parce qu'ils disent qu'un député, il est indépendant. Quand il pense à ce qu'il pense. Selon vous, pourquoi Obem Inaku peut-il apporter une loi pareille? Pas parce que d'abord c'est le FCC, on veut bien, mais en tant que l'homme Obem Inaku, quand on regarde dans le passé, il a fait une déclaration en disant il fallait voter pour, il fallait tout faire pour que Chadari passe président, parce que si il arrivait à perdre le régime, imaginez les conséquences. En fait, c'est lui qui disait à ce moment. Je ne voudrais pas aller dans les spéculations. L'honorable Obem Inaku, c'est un intellectuel. Professeur. Professeur. Qui a été chef de travaux aussi d'un grand professeur, Jean-Michel Nkumbu. J'ai connu l'honorable Obem Inaku comme chef de travaux de Jean-Michel Nkumbu. Est-ce qu'il est professeur ou docteur simplement? Je ne sais pas en tout cas. Je l'ai connu à l'époque chef de travaux. Sa carrière a évolué. Je n'ai pas plus ample information, mais je crois qu'il était dans sa défense des thèses. Je ne sais pas s'il a presté après comme professeur. Mais c'est un intellectuel réfléchi, un ancien magistrat. En plus, c'est un ancien magistrat. Vous voulez dire qu'il a été révoqué? Non. Je n'entre pas dans ces débats. Parce que, selon ses dires, il y a eu un démenti, selon qu'il n'a jamais été révoqué. Ouais. L'honorable Obem Inaku a démissionné. Dans la procédure. N'allons pas dans les débats. Même si on sait que... Bon, allez-y, on va aller. Il connaît le droit. Il a été président de l'Assemblée nationale. Et en politique réfléchie, il pouvait déjà mesurer l'acceptation du peuple. Ou même les conséquences. Les conséquences de cela. Et évaluer le moment. Est-ce que le moment était propice l'opportunité ou pas? Mais dire qu'il ne pouvait pas proposer une loi, non. Ça, c'est lui refuser aussi son droit. C'est lui refuser son droit. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait que ça? Est-ce que c'était le besoin? Ce n'était pas le besoin, semble-t-il. Oui, vous avez par exemple à l'étranger, en France, en Belgique, en Allemagne. Au moment où je vous parle, en Allemagne, les députés ont décidé que le gouvernement puisse donner 300 dollars à chaque enfant. En Allemagne, par exemple, des lois ont été faites pour que lorsque vous allez acheter une voiture électrique, qu'on vous donne 6000 balles, par exemple. Alors, dans tous les pays, il y a eu des lois comme ça pour atténuer les difficultés de Covid. Nous sommes le seul pays, je crois, le seul parlement au monde où l'on a destitué un vice-président de l'Assemblée nationale, où les députés sont allés contre une décision, un arrêt exécutoire du Conseil d'État, où nous pensons proposer des lois, où on a voulu avoir un congrès. Bref, on se dit, mais est-ce que ces gens-là ont un cœur pour le peuple? Voilà le problème. Vous savez, nos amis du FCC auraient dû se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que après 18 ans de gestion, le peuple ne puisse plus vouloir de cette gestion? Ils ont été sanctionnés. Donc, ils auraient dû prendre d'abord le temps d'analyser le pourquoi, le comment de cette sanction. Avant de commencer à agir, nous sommes dans un état d'urgence. Nous avons besoin des institutions fortes. Mais à la première occasion, c'est le sénateur Tambo Mwamba qui critique le président, qui veut donner des leçons, qui veut convoquer un congrès alors qu'il n'en a pas droit. On va dans cela. Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, va aussi dans des déclarations. Au même moment, on entre dans une guerre pour suspendre le premier vice-président. On va dans une guerre pour limoger le directeur de cabinet du premier vice-président du Sénat. Mais jusqu'à présent, on n'a pris aucune décision, aucune loi au profit du peuple. Je vous dis... Tambo Mwamba appelé par la justice, mais protégé par les députés, protégé par les sénateurs.
Je vous dis aujourd'hui, vous savez combien de sociétés vont envoyer leurs employés en congé technique à cause de la crise sanitaire? Combien de petits commerces, des PME vont fermer? Magasins, restaurants, terrasses et tout. Combien de petits commerces liés à la communication et autres vont fermer? Les entrepreneurs indépendants. Nous sommes devant une crise. Cette population à qui on a tout ravi, au même moment vous venez encore avec des lois impopulaires. Voilà pourquoi ils sont allés dans la rue. Et ce qui est choquant, on essaye directement de coller une identité à cette population. On dit que ce n'est pas la population, c'est une milice, c'est la milice d'un parti X. Non, c'est les ressortissants de telle province. On tribalise le débat et on donne une connotation politique. Alors que c'est le peuple congolais. Nous sommes tous congolais. Il ne faudrait pas penser qu'il y a la République de la Gombe et la République du Congo. Est-ce que ces propos sont discriminatoires à votre avis quand on dit très que discriminatoire. Ce sont les Balouba qui font ça. Est-ce que très c'est discriminatoire. C'est loubophobe aussi. Je vous dis ceci, cher ami. Dans ce pays, à un moment, on a même dit un Moulouba ne peut pas devenir président. Vous ne pouvez pas savoir. Je m'excuse peut-être parce que je suis Moulouba, mais à l'université, il y avait autant de discriminations quand tu es Moulouba. Bon, moi, Moulouba, tika. On a connu ces langages. Ouais. Mais n'allons pas dans cela. Mais est-ce que c'est loubophobe? Vous pensez qu'il y a un sentiment loubophobe qui est en train d'être attisé par les gens? On est en train d'attiser des sentiments pour rejeter les uns. Mais tout cela, c'est toujours de calcul politicien. Nous devons arrêter avec ces débats. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'attaquer les Wewa, par exemple? Pourquoi dire que tous ceux qui ont fait ça sont des Wewa? Alors que moi, j'ai vu d'autres Congolais qui ne sont pas des Wewa, qui sont des Congolais normaux, ils font autre chose. Je ne dis pas normal, ils font autre chose. Mais, et puis, pourquoi s'attaquer à une couche des sociétés? Christian, les Wewa, malheureusement, on leur donne une connotation louba. Pour dire ce sont des Balouba, ils parlent que Chulouba, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que les Wewa qui font ce commerce. Il y a toute la couche de la population, de Bandundu, Équateur et tout le monde aujourd'hui sont dedans. Mais quand les mêmes Wewa, je vous donne des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par la communication du FCC, quand ils arrêtent le président honoraire Joseph Kabila sur la route de l'aéroport pour l'acclamer triomphalement quand il revient de Kingakati. Là, ils ne sont pas Wewa. Là, c'est la population. Mais dès que ils revendiquent, ils sont Wewa. Ils sont Wewa. Et donc, Balouba. Balouba. À quoi on joue? Comment vous avez trouvé la réaction du professeur Némi Mulanya? Le professeur il a dressé un tableau calamite. Je veux dire chaotique, ce nouveau régime. Le professeur, ancien directeur de cabinet de président honoraire, coordonnateur du FCC, pour moi, aurait dû agir avec sagesse. Nous pouvons accepter des erreurs, selon moi, de communication quand il s'agit des militants, mais pas à son niveau. C'est pour cela, je suis d'avis, il faudrait très vite que les deux leaders de la coalition puissent se mettre à table, retravailler et redéfinir la coalition. Donc vous pensez qu'il faut toujours aller en coalition, il faut garder la coalition. Là où le PPRD, je parle de Ramazan Nishalari, qui a dit clairement, hein, il dit si nos partenaires ne sont pas prêts ou ne sont plus d'accord avec la coalition,
qu'ils nous disent, nous, on va aller en cohabitation. C'est lui qui dit. Hein. C'est Chadari qui le dit. Vous savez, le président Félix Tshisekedi, ni l'UDPS, n'avait envisagé un jour diriger ce pays sous la coalition. Nous étions dans une scène politique où tout le monde s'entrait dedans, même pendant les élections. Mais la réalité des élections nous amène devant une alternance. C'était aussi la panique dans leur camp. On dit, oh, les DPC là, après 32 ans, ils vont nous pourchasser, ils vont. Ils ont très vite accepté la coalition parce que c'était une façon de se protéger, de tâter le terrain. L'UDPS était face à une réalité qui donnait la majorité parlementaire, plus ou moins, au FCC, pour ne pas aller dans une cohabitation où l'ennemi d'hier, on va entrer, se déchirer. Les deux leaders acceptent cette coalition. Mais il faut savoir que quand le leadership définit, nous avons des soldats qui pensent que ce n'est pas profitable pour les intérêts des uns et des autres. Ils auraient voulu peut-être rester dans l'ancienne configuration où ils gèrent le gouvernement, l'argent sort comme on veut, il n'y a pas de contrôle, on perd 400 millions dans Bukangalonzo, il n'y a pas mort, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas d'enquête. Peut-être que on aurait toujours voulu cette situation. Donc, les déclarations des uns des autres, chacun veut protéger ses intérêts et son siège. Mais je veux encore dire que tant que le leadership n'a pas donné une orientation, nous restons dans la coalition. Est-ce que cette coalition, le peuple n'en veut pas et tout le monde le sait. Le peuple n'en veut pas. Et aujourd'hui, c'est curieux que ce soit Chadari qui en parle en premier, qui pense à une cohabitation. Êtes-vous prêt à vivre dans une cohabitation? Je veux vous dire, la France qui est une démocratie avec une histoire a vécu dans la cohabitation. Mais de quelle manière? Voilà pourquoi le président a refusé la cohabitation. Mais quand vous l'imposez, nous allons l'accepter. Est-ce qu'il va dissoudre le Parlement? Dissoudre le Parlement ou pas, ce n'est pas le débat. Le débat est que s'ils veulent aller en cohabitation, comme ils pensent avoir la majorité, et ainsi légiférer comme ils veulent, décider et tout. Mais n'oubliez pas que c'est moins de 1000 personnes. Le Parlement, le Sénat, le gouvernement, c'est moins de 1000 personnes. Sur des millions de Congolais. Contre 100 millions de personnes. Donc le jour où ces 100 millions de personnes vont dire qu'on en a marre, on va tous fuir ces pays. Est-ce que vous pensez que cette loi ou ces lois vont-elles être retirées ou elles seront maintenues? Parce que j'ai vu au moment où nous tournons l'émission, des Congolais sont encore dans la rue. Il y en a qui disent qu'ils ne vont pas, ils rentreront pas chez eux. Mais entre-temps, Minaku, Gary Sakata, le professeur Némi, ils disent que ces lois vont passer. Alors, est-ce que c'est un bras de fer déjà engagé? Je veux vous dire une chose. Le président Macron a fait une démonstration hors du commun dans la politique française. Ne sortant pas de deux grandes familles politiques, ni de la droite ni de la gauche. Il passe en force, président. La clameur populaire. Mais en moins d'une année, il a eu les gilets jaunes qui ont tout cassé. Chaque semaine, ils étaient dans la rue.
monsieur a reculé. Donc, tant que la population ne se retrouve pas dans ce qui est proposé, elle ira dans la rue. Comme, ouais. Mais ce que je déplore, nous, intellectuels, nous cadres de ces pays, nous restons discutés dans les réseaux sociaux, dans nos salons, au lieu d'accompagner la masse populaire. Descendre dans la rue, par exemple. Quand ces dirigeants vont voir que ce n'est pas le Wewa seulement, ce n'est pas les badauds, ce n'est pas les petits peuples, mais c'est toute la crème intellectuelle, c'est toute la population qui dit non, qui descend dans la rue, ils vont reculer. Le FCC estime que... Nous devons reprendre la gestion de ces pays. Le FCC estime que la police n'a pas été professionnelle. Mon cher ami, la même police dans ce pays a tué. On a dit que elle était professionnelle. La police actuelle est l'héritage de 18 ans. Le président Félix Tshisekedi n'a pas fait de changement dans la police. C'est le même général qui a nommé le général en place. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Pourquoi elle était professionnelle hier, aujourd'hui elle ne l'est pas? Est-ce que vous pensez que c'est une lecture sélective et politicienne? Elle est très sélective. Ouais. À chaque fois, on condamne ce qui était juste à vos yeux hier. Et normal hier. Mais est-ce que c'est le retournement d'une situation? C'est là tout le problème. Ils ont été le bourreau. Ils ont été, selon eux, le chef, les décideurs de ces pays pendant 18 ans. Aujourd'hui, ils se rendent compte du mal. Et ils critiquent ce qu'ils ont produit. Aujourd'hui, c'est l'honorable Jeannette Kabila qui dit que pour la première fois, elle reconnaît que les militaires sont dans de mauvaises conditions, sont mal payés. Mais c'est la jumelle du président honoraire qui a géré ces pays pendant 18 ans. Ouais, mais elle donc pas, elle pouvait, pas été... non, elle elle pouvait pas... le lui dire à son oreille. Non, mais ce n'est pas la voix officielle. Elle n'était que... Elle était députée pendant longtemps. Oui. Elle était députée, donc elle pouvait parler pendant tous ces temps. Peut-être oui, mais vous n'allez pas quand même la condamner pour ce que son frère a fait. Non, sinon c'est très dangereux quand même. Non, je dis seulement que elle avait non seulement la loi avec elle, elle était députée, mais aussi elle avait un lien privilégié. Jumeau du chef de l'État. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Donc elle pouvait parler au chef à tout moment. Donc, sans êtes... protocole, parce qu'ils se voyaient en famille, ils fêtaient leurs anniversaires ensemble. Mais... Donc elle pouvait quand même lui dire que, mon cher frère, pendant cette gestion, je vois que les militaires qui font même ta garde ne sont pas bien payés. Elle pouvait quand même le dire. C'est en ce moment-là que Motema Yaki Mama, il fallait ça là. Ah, vous parlez lingala aussi, ça je ne savais pas. Elle pouvait dire ouais. Que voilà, cher frère, tes militaires sont en mauvaise condition, tu peux quand même le faire. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, quand ils n'ont plus le levier. Parce qu'aujourd'hui, quand elle dit, ils ont le ministère de la Défense, ils ont le ministère de la Défense, je ne vois pas pourquoi. Non, ouais. Christian, ce que je ne voudrais pas, c'est que l'on puisse politiser les choses, dire que le ministre est de telle famille, le ministre... Je non, parle du ministère, c'est le ministre... Ouais. C'est le ministère de la République, de la République. Du gouvernement et tout. Donc, on doit rester dans ces débats-là. Ok. Alors, les 12 minutes qui nous restent, je voudrais bien qu'on parle de la suite des événements. Est-ce que nous fonçons droit vers la rupture de cet accord? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec ce climat politique? Christian, nous devons nous élever au-dessus de querelles politiciennes.
nous venons de vivre une crise sanitaire qui n'est pas près d'en finir. Ouais. Les conditions de vie vont changer. Nous allons avoir l'une des plus fortes crises économiques. Nous sommes le seul pays, déjà que nous n'avons pas de réserves d'échange, nous ne savons même pas financer notre économie. Alors je pense que nous devons canaliser toutes nos énergies pour renforcer l'État, renforcer le tissu économique et offrir le social tant réclamé par le peuple congolais. Mais maintenant, il faut le sursaut d'orgueil de chacun pour mettre les querelles partisanes de côté et voir l'intérêt du peuple congolais. Est-ce qu'on est prêt à l'arriver là? J'ai vu les belligérants signer l'accord de San City. Alors que tous avaient les armes, chacun était prêt à faire la guerre, mais ils ont mis le peuple congolais et l'État congolais en avant. Alors, il y a des gens qui disent, par exemple, que Fatih devrait frapper. Êtes-vous de cet avis-là? Limoger les ministres de la justice parce qu'ils seraient soupçonnés de faux usage de faux, dissoudre le Parlement qui devient un problème pour la démocratie, régler les questions de l'UDPS parce que ça commence à devenir, ça ressemble à un fourre-tout. Bref, on dit que Fatih devrait finalement agir et quitter la politique paroissiale. Je vais dire, le président de la République reste le porteur de la vision. Et c'est lui qui a plus des informations que nous. C'est de ses prérogatives, s'il pense que pour le bien du peuple, il faudrait dissoudre le Parlement, il peut le faire. Mais les conséquences de chaque acte, il faudrait quand vous posez Que vous puissiez réfléchir avant. Réfléchir sur les conséquences. Nous allons avoir un Parlement dissous. Est-ce que nous avons les moyens, au lieu de financer la stabilité économique, il faudrait financer des nouvelles élections. La CENI n'est pas à même de nous organiser les élections parce que jusque-là, nous sommes dans les débats sur la désignation du président de la CENI. Donc nous allons aller dans une crise qui ne va pas en finir. Beaucoup plus grave que ce qu'on est... Plus grave que celle-ci. On est de vivre maintenant, oui. Comment va se comporter tous ces acteurs politiques qui vont devenir des chômeurs? Alors, je pense que la sagesse bantoue, nous demande d'aller sous l'arbre et se parler franchement. Parce que s'il faut se parler... pas être hypocrite. Mais s'il faut se parler franchement, on va se parler de quoi exactement? Parce qu'il faudrait finalement qu'on arrive à élucider les questions. Qu'est-ce que vous pensez qui peut constituer aujourd'hui un dialogue franc de l'autre côté? Tenez par exemple, le FCC estime qu'ils vont faire une vengeance. Ils doivent revenir sur le terrain, eux aussi cassés, eux aussi frappés, eux aussi tabassés. Vous avez appris des nouvelles, des rumeurs qui ont circulé hier, comme quoi certains bourgmestres seraient en train d'offrir 100 $... 50 $, mais des machettes pour bloquer ou casser ou, je sais pas moi, déchirer, blesser des Congolais. Christian, ça a déjà été fait dans le passé. Il n'y a pas eu de résultats. Ils ont violé même un lieu saint, la cathédrale Notre-Dame. Les bérets rouges du PPRD l'ont fait. On a menacé, on a muselé, on a tué sur cette ville. Les Congolais remplissaient les cachots de l'année. Mais est-ce que c'est pour autant que le peuple a été muselé et est resté chez soi? Non. Alors aujourd'hui, Christian, on nous a dans le passé proposé une loi encore ici
pour nous amener dans une histoire à dormir debout qu'il faudrait d'abord recenser la population avant les élections. Ouais. Les gens sont morts. Hein? Les gens sont morts. La population est allée dans la rue. Ouais. Et ils ont fait marche arrière. Ils ont retiré. C'était à l'époque de Bouchab. Bouchab était ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Le sénateur Kengwandondo s'est retiré. Monsieur Lumanu était celui qui a amené cette histoire du recensement. Oui. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces recensements? Donc, c'était juste du faux fouillant. Donc, nous nous rendons compte qu'on nous amène encore de loi parce qu'il y a des calculs politiciens. Alors, de quoi ils vont parler? Quand vous dites qu'il faut être vrai, ils doivent dire quoi, par exemple? Ils doivent parler sincèrement. Nous sommes dans une coalition, mais les ministres FCC doivent répondre de la politique du gouvernement. Ce n'est pas chaque ministre reçoit des injonctions d'ailleurs. Je vous donne l'exemple. Est-ce que le président Kabila pouvait accepter qu'il signe une ordonnance et un de ses ministres bloque l'ordonnance? Pendant une année, on a bloqué les ordonnances signées par le chef de l'État. Mais il les révoquerait tout de suite. Non, tu serais révoqué et mis en cachot. Mais comme pourquoi un vigueur. Il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi nous allons dans un état de droit où on ne peut pas casser, mais où il faudrait qu'il y ait du respect envers l'institution président de la République. Parce qu'il ne faudrait pas juger Félix Tshisekedi en tant qu'humain ou en tant que président de l'UDPS. Mais Félix Tshisekedi est une institution. Il a signé et on a bloqué. C'est aujourd'hui que l'on vient de notifier. Encore, il a fallu que les directeurs de cabinet du président de la République envoient une lettre menaçante même. Ce sont ces genres de choses. Baba Kyungu et qui d'autre? À la Gekamine aussi, j'ai appris que la mise mais en Mais Baba place, est revenu, c'est... Baba est tout joyeux, tout content. Enfin, oui, mais je ne voudrais pas trop discuter là-dessus, du personnage. Baba aussi, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Ok? Ses amitiés et ses accords avec le président de la République que nous respectons. Ok. Mais c'est quand même un cas pour vous. C'est vraiment un cas. En fait. Mais un allié aujourd'hui, un ennemi d'hier, un allié aujourd'hui, nous l'acceptons comme tel. Est-ce que le SNCC, c'est quoi? La SNCC, c'est la, SNCC. Société, la Société Nationale de... Le Chemin de Fer. Le Chemin de Fer. Oui. Est-ce qu'elle est même viable, cette société-là? Il faudrait la rendre viable. Je veux vous dire est-ce pourquoi. Est-ce possible? C'est toujours possible. Mais voilà aussi pourquoi nos amis du FCC ont peur. Parce qu'il y a eu plusieurs décaissements d'argent pour le SNCC. Ouais. Même la Banque mondiale, on a acheté des rails qui n'étaient pas conformes. On a acheté des trains, des wagons qui n'ont pas roulé. Qui n'ont fait qu'un seul voyage, en fait. Vous imaginez, c'est la peur surtout ça. Un état des lieux. Quand on va faire un état des lieux, les gens vont continuer à aller en prison. On a peur. Mais je veux vous dire, le projet centrale de Katende est bloquée. Parce que dans le projet, le matériel ne peut être acheminé que par rail. Le matériel est au Katanga, mais on ne peut pas l'acheminer. Donc on doit relever la SNCC. Est-ce que vous pensez, par exemple, ça peut jouer un rôle important dans le développement de notre pays? Si bien jamais on remettait sûr, ça à bien ce pied. Sûr que oui, cher Christian. Et nous avons eu ici, je pense que c'est Stanley qui l'a dit, le Congo sans chemin de fer, pas le Congo. Nous sommes un sous-continent. Même en termes logistiques, quand tu vois le transport par route quittait Mwanda jusque dans le Katanga, tu dépenses beaucoup. Mais avec un chemin de fer, on peut réduire le coût des matières premières. Aujourd'hui, nous avons le projet
de port en eau profonde de Banana. Jusqu'à présent, le Congo importe. Quand les navires viennent ici, ils partent pour la plupart à vide. Parce que nous n'exportons pas. Mais le port de Durban en Afrique du Sud et puis le port en Zambie profitent des minéraux du Congo. Parce qu'il faut les acheminer jusqu'à ce port pour les envoyer vers la destination finale. Anvers ou je sais pas moi. Où. En Chine pour la plupart. Mais si nous avions le chemin de fer, ils vont prendre le chemin du Katanga jusqu'au Bas-Congo et le port du Bas-Congo vont avoir de l'activité. Et tout ça a été fait à dessein en fait. On a appauvri, c'est fait à dessein. On a appauvri ces secteurs-là. Aujourd'hui, c'est les Angolais qui sont prêts à nous faire la guerre pour que nous acheminions vers le port de Lobito. Les minéraux. Alors, mais... Vous imaginez, eux vont développer un port avec le produit de chez nous, mais pas nous. Parce qu'on a tué le chemin de fer. Donc, on doit remettre ce chemin de fer. Mais est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a un travail fait en amont pour savoir exactement ça coûte combien? La logistique a été réfléchie? Est-ce que nous sommes... On est sur ces bonnes bases? Le président de la République a, il y a, je crois, 48 heures ou 72 heures, tenu la réunion aujourd'hui sur vidéoconférence avec divers partenaires sur le projet Grand Inga. Donc, nous devons continuer sur ces genres de projets. Le chemin de fer et voir toutes les connexions avec les autres pays. Nous devons trouver des financements. La BAD peut nous accompagner parce qu'elle a toujours accompagné, mais l'argent est venu et a pris d'autres voies. Alors, c'est vrai que j'avais promis aux Congolais qu'on allait parler un jour du développement avec vous sur les entreprises publiques, les usines, comment créer des usines, parce qu'une fois on a fait un débat avec vous, j'ai été très émerveillé. Donc on en parlera. On en est fini aujourd'hui, on va terminer, il nous reste plus de 2 minutes malheureusement. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez 3 messages à adresser à la population congolaise, aux députés, mais aussi aux partis politiques, ça veut dire le FCC et CACH. La population doit s'approprier le Congo. Être le gardien du temple n'est pas baisser les bras. Nous devons sauver le Congo. Et sauver le Congo, nous devons être regardants. Accompagner les institutions quand il est faux et décrier et combattre quand ces institutions nous ramènent en arrière. Restons vigilants. Le Congo nous appartient, n'appartient pas à la République de la Gombe. Nos dirigeants, députés, vous êtes là parce que vous avez été élus par le peuple. Entre guillemets, parce que nous entendons que certains ont été nommés. J'ai même appris que certains députés ont déposé leur candidature après clôture. Il y a d'autres qui n'ont jamais déposé. En fait, mais qui ont été élus, leur nom est sorti sur la liste et ont été élus. Mais malgré tout cela, vous êtes députés national, vous êtes l'émanation du peuple. Veillez vous poser la question, est-ce que ce que vous faites bénéficie au peuple? Pendant une crise sanitaire, j'aurais voulu qu'il vote une loi pour diminuer le train de vie de des institutions, d'au moins 30%. Pendant que le peuple n'est pas payé au chômage, il y a confinement. Ils réclament même des augmentations. Mais s'il vous plaît, ayez pitié du peuple. Le peuple congolais vit de 1 dollar par jour. Les professeurs d'université, les médecins qui soignent, allez à Mama Yembo, regardez dans quelles conditions.
C'est 2 000 $ que vous réclamez de plus. Vous pouviez décider qu'on le donne aux médecins. Vous savez qu'il y a des médecins qui meurent parce qu'ils sont contaminés par nos populations qu'ils doivent soigner. Qu'est-ce qu'on a donné à ces familles qui perdent leurs parents parce que ces parents ont respecté le serment d'Hippocrate? Ils sont allés soigner, contaminés par nous, ils meurent. Qu'est-ce que nous avons fait? Voilà ce que nous attendons des députés. De prendre des décisions, des mesures pour soutenir ces familles. Soutenir les professeurs d'université. Il y a des professeurs d'université qui meurent parce que l'État n'a pas pu payer sa facture pour une opération. La plupart des professeurs d'université aujourd'hui sont en train de devenir aveugles. Ils ont tous des problèmes, Dieu, mais ils ne peuvent pas se faire soigner à cause des moyens. Voilà là où nous voudrions que les députés puissent légiférer. Et nous laisser notre justice comme telle, ce n'est pas une priorité. La justice reste comme telle, tant qu'elle met, elle pourchasse tous les voleurs. On joue avec l'argent de l'État congolais, en termes de millions. On ne parle plus de petites sommes dans ces pays. Quand tu entends, c'est toujours 1 million, 2 millions, 3 millions, comme si c'était l'argent pour acheter des cacahuètes. Soyons sérieux. Légiférer sur l'essentiel. Et pour les partis politiques? Les partis politiques doivent travailler pour restructurer leur parti. Pour mettre la réflexion en avant. Je crois qu'on cherche à conquérir le pouvoir sans savoir qu'est-ce que l'on doit en faire. Très bien. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Kalonji. C'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Certainement, les samedis, on se retrouvera encore, ou peut-être au courant de la semaine, pourquoi pas, pour parler autre chose et parler République. République. Nous devons parler de notre République, notre beau pays. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça en est fini. Ça a été un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, dans le Washington. Maman Marte, Africa Union. Mais quand tu as une union, il y a une union congolais. On dit que nous avons une union. Loye Bolonde Nelalisa.